Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique info. Fatshi veut doter Kinshasa d'un nouveau Zando. Samalou Kondé rassuré de l'accompagnement de l'autorité coutumière. Kalev Moutonde recuse le magistrat instructeur. Jolino Makelele mobilise $1 million, ministre sortant de la communication. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. On a mal commencé le mandat avec lui, c'est vrai. Mais puis après, on a harmonisé les choses. C'est quelqu'un de très bien. Je crois que c'est quelqu'un de pacifique. Jolino Makelele, où tu me suis en ce moment, où vous me suivez, excusez-moi, Excellence, où vous me suivez en ce moment, je vous présente mes civilités les plus sincères. $1 million, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je vous félicite énormément. Jolino Makelele, dites à monsieur Jolino Makelele, petit frère Naïe, à Pessie Mbote Bélé, à Pessie Merci Nawa Salaka Jouana. Merci beaucoup, en tout cas, à mon aîné Jolino Makelele. Mesdames et messieurs, la question de Zando a dérangé. Le chef de l'État était allé sur place. J'ai aimé, ce que j'ai aimé dans ça, c'était quoi? C'était cette démocratie participative, en fait. Le chef de l'État a pris toutes les couches, il les a réunis dans une salle. Ben maintenant, parlons. C'était bien. Les gens ont parlé, les gens se sont sentis libres, très ouverts aussi. Ils ont dit des choses. Pour la première fois, hein, le gouverneur Ngobila s'est défendu devant le peuple. Il a donné son point de vue. Et le chef de l'État a assumé en disant il épouse la position du gouverneur Ngobila. Il épouse la position du gouverneur Ngobila dans un point. Mais il voulait savoir pourquoi les gens étaient contre. Moi, je crus comprendre que très souvent, nous faisons des débats avec beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes, des clichés qui nous empêchent d'aller au bout de notre logique. Parce que vous ne pouvez pas débattre avec quelqu'un que vous accusez. Non. Pourquoi discuter d'un moto fondaté? Parce qu'il y a aussi Mbaté. Alors, il fallait finalement intervention du chef de l'État. Il fallait Komawana. Et moi, je suis content parce que le chef de l'État nous a écoutés. Chef de l'État, il y a pourquoi? Tu ne sais pas qu'il y a que chef de l'État, il y a communion. Il y a un yoka base. Alors le peuple d'abord, voilà, n'engagez pas dans le basse sur l'autorité, sur place, voilà. Et il a fait. Alors comment vous ne voulez pas que je félicite un homme comme ça, qui vous écoute et qui fait exactement ce que vous lui demandez de faire? C'est aussi ça un avantage d'avoir un président qui vous écoute. Et quand on le dit, les petits esprits pensent que on est en train de flatter. Moi, je flatterai le président pour avoir quoi à la fin? Et pourquoi il faut flatter le président de la République? Pourquoi il faut le flatter? C'est vrai que moi, je comprends beaucoup de personnes. Les gens pensent que être une grosse gueule, raconter n'importe quoi, c'est ça être franc. Non, on peut être poli et être franc. On peut être poli tout en étant franc. Être franc ne veut pas dire être indélicat, être poli, crier, raconter des choses à la télé. Ce n'est pas ça être poli. Ce n'est pas ça être franc.
Non, être franc, c'est rester aussi poli. On respecte la personne. On ne traite pas les gens comme si c'était des petits-enfants. Non. C'est pourquoi moi je dis aux gens, la télé que moi je fais ne sera pas la télé que Bango Basalaka. TV Batmoussou Basalaka, la TV Bango ou Balingi Basal. Moutam dans l'éducation, moutam dans la frustration, moutam dans la raison. Moi, ma télé, c'est que je sois d'accord avec Kabila ou pas, que je sois d'accord avec le président Félix ou pas, ou M. Kabila ou pas, j'essaie à la limite de montrer que je ne suis pas d'accord, mais de proposer aussi. Parce qu'il faut proposer au lieu d'accuser, il faut proposer. Il faut proposer, dire aux gens qu'il faut travailler. C'est pas ça, proposer, c'est pas ça. Il faut travailler comment? Dans quoi? Quand? Avec qui? On est superficiel très souvent dans nos propositions parce qu'on n'est pas sérieux avec nous-mêmes. Le chef de l'État est allé à Zando, il a vu lui-même comment ça se passait. Il a même expliqué que sa maman, il allait accompagner sa maman au marché. Moi, je n'étais pas à Kin, à ce moment-là. Je n'étais pas à Kin. J'étais certainement à Goma ou en Bandaka, dans mon village là-bas. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait ici. Mais ceux qui ont vécu ici, à l'époque, à peu près, à Fachi, à Bangobila, à Zolobake, babanda okende zando wana na olati pe bien na chenette na yo okay pe zando nga nazalaka ba seri onate. Je sais pas si j'étais même né mais à un moment wana. Mais eux mêmes disent ça. Oh non biso ba seri wana oh ba 87 okay kuna de 87. Oh non biso ba 87 déjà na ba 86 85. Ah toni ba ni makasi bo. Mais bango na ba 85 ba 86 wana ba takite na ba zando wana. Voyez-vous? Donc, il y en a qui étaient là, ils allaient au grand marché, dans la 82. En 82, je ne suis même pas là. Comment? On ne sait même pas ce qui m'a fait en Moukounine. Mais Bango Bando qui était à Zandouana. Donc, ça veut dire que quand ils allaient dans ces marchés-là, à ce moment-là, c'était bien. Nous, nous n'avons pas, on n'a pas été là pendant ce moment. Je n'étais pas encore né, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Bango Bando qui nous a dit que Zandou est de la Gabien. Et on peut lire dans les livres. Je passe mon temps, mon livre de merveille quelque part. On nous a montré le marché central. Tu pouvais aller 10 fois au même endroit sans te perdre. 10 fois au même endroit sans te perdre. Tango Batozo Kende Kota la Zandouana. Parce que ça fait plus de 50 ans ce qu'on nous a dit. 40 ou 50 ans, des Zandouana Salima. C'est-à-dire, nous avons un salaka Zandouana, nous avons un salaka plein. Il y a Zandouana. Aujourd'hui, il est perdu. Aujourd'hui, il est totalement perdu parce que le marché était fait pour accueillir une population bien déterminée. Mais les lots, nous avons quadruplé la population, tout quadruplé chiffre. Voilà. Donc du coup, mais le marché n'a pas changé. Le marché plutôt est qu'au béba, qu'on s'est dégradé, qu'on s'est arrêté. Poto-poto, et sanganina vol, et sanganina bakuluna, nous sommes dans 4 ans de wana. Ba étagère, il y a pakoti, ba pavillon et béba, ouais, tout ça. Alors, est-ce qu'il faut maintenant continuer qu'on travaille dans le système wana? Ngana mona déjà na zando une ou deux fois na kota na zando. Odo kota na zando, ozo mona mlaki poto poto yango. Alors tu au marché sur les plantes des pieds. Entre temps bato batché biloko na bango na sé. Les gens vendent des produits na mabélé wana, poto poto na juste pembeni wana. Poubelle pembeni. Alors dites-moi, vous allez continuer dans ces conditions là? Mais la bonne question Zali, tous les jours ou toutes les périodes, les gens payent des quittances. Les gens payent pour le marché. Ce marché produit de l'argent. Mais Mbongo ya marché wana ekendaka wapi? À cette question, il ne faut jamais poser. Mbongo nango ekendaka wapi? Toutes ces boutiques-là, toutes ces boutiques et toutes ces constructions qui ont été faites là-bas, nani azoka Mbongo nango? Ces argents est sous et fait la kanini. Basta la kanango nini. Ça, on ne dira pas. Non, ça, on ne va pas dire. Or, avec un peu de recul, on peut se dire non, non. Améliorons nos conditions. Moi, je dis ceci. Et je crois, je pense donner mon point de vue et conseiller le chef de l'État. En disant, Monsieur le Président, peu importe la beauté du grand marché, Bozong, c'est une configuration Yakala. Décentraliser cette histoire, déconcentrer cette histoire. Il faudrait faire construire, à mon avis, pour chaque commune un marché municipal. Nous devons construire dans toutes les 24 communes des marchés communaux ou des marchés municipaux. Il faudrait qu'Ezalawana. Et puis je crois qu'Ezala quand même, non? Parce que nous avons. Moi je ne suis pas quinoa, donc. Tout ce que je sais, bah marché Zalaka.
ma marché municipal est à la ca, ma stade municipal est à la ca. On a ça. Au stade municipal, terrain municipal, stade municipal, terrain. On a ces choses-là. Donc nous pouvons avoir des marchés dans toutes les 24 communes. Dans une commune, il y a Lingwala. Ton marché Nango, marché municipal, il y a Lingwala. Il faut ça là. Un espace assez grand pour accueillir tous les habitants de Lingwala. Basson Babilo Konamango, na marché municipal, il y a Lingwala. Et il ne faut pas qu'il y ait des écarts de prix entre le marché municipal et le marché central. Parce que les gens vont aller finalement là-bas. Il faudrait qu'il y ait une unicité de prix. C'est là, uniformité, si vous voulez, il y a prix. Au ministère de l'économie, nous avons patronné. On a un ministre de l'économie qui va veiller sur les prix. Tous les marchés municipaux et dans le prix moko. Les marchés centrales, même. Ou alors à la limite, vraiment un petit écart, un tout petit écart. Et nous devons faire en sorte que nous puissions trouver tous les produits partout. Ce que tu sali bongo et simba, regardez. Vous avez des jeunes filles qui quittent Massina, qui quittent Ngaba, mais qui viennent jusqu'au grand marché. Ça veut dire quoi? Cette jeune fille, avant de quitter, avant de venir au marché, elle informe à son coin qu'elle n'a aucun des andous samedi. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que le produit où il y a quelque chose Zandu est à 1200 et pas dans Bangoué à 1500. Vous voyez ce que ça veut dire? Produit où il y a. Et pas dans Zandu, il y a 1000 francs et pas dans Bangoué, par exemple, 1500. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un 500 francs à l'icolo. Mais si elle veut acheter 7 produits ou 4 produits, parce qu'il y a à bomba, on dit, bah, 5 francs, Mathilde Colouana, et qu'on se met le produit Moussous. Donc la dame dit, ok, dans ce cas, bino mope sangambo, on a bino, n'a rien que nous sommes à produit. Et n'a pas bénéfice dans l'icolo. Donc ce qui te banni, ok. Donc le produit, il y a 1000 francs, on va te dire, Zando, il y a même la tekiro de marché municipal, Yangaba. Cette femme-là n'ira plus au marché. Maintenant, elle n'est pas seule. Il y a des dizaines qui vont pour acheter des articles différents dans le domaine Ouana. Bata et Bélé, Bangonde va créer. Pour la plupart des cas, il y a la concentration. Parce qu'ils vont emprunter le même transport que tout le monde et ça va être compliqué. Du coup, vous avez les embouteillages, ainsi de suite, ça ne marche pas. Or, si elle se limite dans Ngaba, et une autre se limite dans Njili, une autre se limite dans Lingwala, une autre à Matete, le marché est désengorgé. Le marché est désengorgé. Du coup, les vendeurs du marché vont rentrer dans leur milieu naturel, ils vont rentrer dans leur commune. On a ma marché municipal, on va les installer là-bas. Le Zando-O est désengorgé. Or, quand Zando sera désengorgé, on peut construire efficacement et remettre Zando dans la baïta Nango. Mais ce qui n'est pas la idée, il y a Bobongisaka Zando, Botonga Yango, et puis Sasubatuana, vous allez faire la même chose. Ici, il faudrait décongeler, désengorger le Zandu là. Pour désengorger Zandu, créer des marchés municipaux et équiper-les. C'est tout. Vous avez réglé la question. Et placer des bons visionnaires et gestionnaires au sein des marchés. Bango bakoye bakozo mbongo à l'État, bakoye bakoba ko perfectionner Moussala Nango. Moi, je suis allé à Dubaï. J'ai rencontré le président Mondo. Il y avait aussi mon frère Ogi, le vieux Denise, Banaki Mobelevé, Toubi. Batouana, Bameminga Wapi. Bamemingaï, na. Qu'on appelle ça encore ce qui charge. Ouais, charge, je vais me tromper. Au mot, tu veux me dire, hein, charge, je crois. Bamemimizo, na charge. Tu veux comme on a Zandu, Zandu, na Bango. Mais Zandu, ça. Ils ont quoi, molle. Obino Benga, molle, 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 molle. Je vais au premier molle. Je vais au premier mot là. Tout le monde grave. Mais quoi les azams? C'est le marché. Le marché. Alors, ils voient un peu comment ça se passe. Et tu poses la question à ces gens-là. Babia, ici, c'est il y a 20 ans, c'était ouvert quoi. Il y a cela 20 ans, c'était par terre. Il y a cela 12 ans, c'était par terre. Donc, ces gens-là ont suivi une évolution. Nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons construire Zandu. Nous avons besoin de commission de loi molle. De commission de pendant le quoi molle. Si vous allez en Chine. Il y a un endroit, je ne sais plus où, c'est quand même un placement dans la Chine. Voilà. Bien sûr, dans Guangzhou. Hein. Ok, je suis allé là-bas. Mais papa, Zandona, escalator.
Zando na escalator au matin escalator au matin au moins matin escalator na 7 fois. Yemoko. Ngana mataka 3 facilement. Et donc il y a possibilité de refaire ces choses, de reconstruire ce pays qui a été détruit. Parce que regardez, pour n'abord désengorger convenablement le marché central, il faut construire les marchés municipaux. Ce qui doit construire les marchés municipaux, de construire les marchés indigènes, c'est comme on appelait à l'époque indigènes, mais pas des marchés indigènes, mais des marchés, hein, à quoi moussoussou, et aucun des biens. On peut refaire Manini Zando Nabissona en construisant véritablement quoi. Et puis d'ailleurs, pourquoi pas qu'il y ait dépôt. Écoutez, qu'il y ait là où les gens partent se ressourcer. Là où les petits marchés, bah, qu'il n'y aura pas se ressourcer. Ça peut rester comme ça. Comme ça, là, vous n'aurez que de producteurs. Vous n'aurez que de grands revendeurs. Parce que si tout s'est fait dans un circuit réfléchi, on n'aura pas de problème. Donc, moi, je pense que le chef de l'État va considérer le fait que ils ont bien été, qui est tout bien dans Zandouana, et ton d'abongo, non, ils ont mal à Mingité. Je crois que si on va dans ces conditions-là, ils vont bien. Il y a possibilité, mes frères, je peux vous garantir, il y a possibilité de refaire ce pays, quoi. Il y a possibilité. En lisant mon petit livre, dans ce monde, ma tête. Mais moi, ça m'étonne, mes frères. Je me dis comment on est arrivé à ne pas comprendre, à perdre de vue. Matete Balobi, la cité de Matete construite par l'Office des cités américaines. C'est l'un des premiers quartiers où l'on a généralisé la formule des maisons à étage. Déjà dans un moment, dans l'époque où on a. Bah 51, bah 52. Dans un moment, dans l'époque où on a. Déjà, bah, on a imaginé comment on a fait un peu de modèle. Donc on peut refaire ça ici. Sur la photo, je ne vous montre pas, je ne vous raconte pas des salades. Regardez. Sur cette photo. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même que sous Alicolo, vous avez que tout est clair, tout est bien. Et donc, ce, tout le monde qui pouvait aller acheter des choses quand il y a un bango. Vous avez la possibilité de contrôler les gens. Vous avez la possibilité de les suivre. Vous avez la possibilité de savoir qui a fait quoi, qui a acheté quoi. Tout est là. Parce que lorsque les produits sont écoulés dans le marché, donc vous savez, j'étais même en train de parler dans la première partie sur le projet de l'agriculture. Est-ce que vous savez que le ministre de l'Agriculture peut avoir une plateforme électronique? Il peut suivre tous les agriculteurs du pays enregistrés dans cette plateforme-là. Il peut contrôler les taux de natalité, les taux de mortalité, les taux de croissance de chaque entreprise dans le domaine de l'agriculture ou de l'agro-pastorale. Et c'est lui qui peut orienter maintenant la politique. C'est fabuleux quand on connaît des gens. Il peut dire au Premier ministre, « Monsieur le Premier ministre, nous avons un problème de maladie, par exemple, de bétail. » Une grippe peut arriver. Ce ne sera pas un truc qu'une ONG a dit. Non, le ministère, cet organe administratif, réfléchit. Il dit, non, mais il y a une maladie qui va arriver. Ok, on a constaté. T'as le logiciel Nabisso. Le Premier ministre voit lui-même aussi le logiciel. Il y a le rouge à l'Équateur. Il y a le rouge au Kivu. Il y a le rouge au Bandundu. Il y a le jaune au Katanga. Comment on fait? On appelle les spécialistes, les vétérinaires. Tu vas dire qu'on attaque une maladie, on a comme ça. Et l'État donne des produits. C'est une manière de les encourager. On leur dit, voici, nous allons vous encourager, nous allons vous donner des choses, on va vous aider à faire ceci, on va vous donner à faire cela. Ça peut toujours faire quelque chose de bien. Et on règle la question. On en digue. On peut le faire. Donc, je considère le fait que, ce que tu le mets, télémapenza, il y a un ne vous en faites pas. On peut se réveiller bien. Torgi pour reconstruire beaucoup de ma condition à ma lame. J'ai appris dans Zando Balobi, non. Mundele moko, son baki. Avec qui j'ai un contrat à initié, oui. Quand c'est le contrat en question, peuple, on ne pas boy. Le peuple souverain. Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec une position, avec un contrat qui a été signé, ben, le président n'a pas un autre choix que de sursoir d'abord. Et j'ai bien aimé sa médiation. Il dit, monsieur Hassan, content au salaire qui est là, tu as la seconde place, mais la zone de l'issue. Pour te montrer qu'on a problème, les alliés. C'est vrai, ça peut être un moment de dire, oh, mais il a violé mes droits et tout. Oui, mais lorsque ton droit à toi cause du tort à toute une génération, à tout un peuple, mais le choix est clair. C'est là qu'il faut attendre et entendre la dimension d'un homme. Quand on est devant une situation où un droit de quelqu'un empiète sur le droit des milliers de personnes, alors il faut comprendre qu'il y a un problème.
Parce que si nous faisons ces choses pour ce peuple, et que ce peuple ne se retrouve pas dans ce que nous faisons pour lui, ben le peuple va dire non, on ne veut pas, on n'en veut pas. Ben, si le peuple n'en veut pas, vous allez faire quoi? Il faut que les autorités atteignent un niveau de se soumettre au peuple. Un peu comme Félix Tshisekedi le fait. Se soumettre au peuple. Le peuple, vous dites ça, ok, on va faire avec vous. On va le faire. Peut-être pas le temps que vous demandez dans la salle, mais dans la salle, Kabila, Kabola, Kabila, Kabola, Kabila. Oh, t'es, il y a un frère, Kabola, Kabila, Kabola, Kabila. Il a attendu un moment, et le moment qu'il fallait le faire, il le fait. Est-ce que Boki est fusionné sans? Mais ce qui est fatigué, c'est là qu'il y a un autant que le peuple a s'engagé immédiatement. Les conséquences allaient être graves et drastiques. Le peuple peut vous demander une chose. Oui, mais vous dites au peuple, ok, j'ai écouté. Mais j'attends le bon moment. J'attends le bon moment pour le faire. Et quand on le fait dans le bon moment, il n'y a pas de problème. J'invite moi personnellement, Bandekonabiso et Kinshasa, tomber un peu au Koutala. Surtout par exemple le gouverneur Ngobila. Je peux bien ne pas être d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Mais sur la question à Zando, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas totalement tort. Excusez-moi de dire ça comme ça. Je dis ceci. Nga, Marambele, gouverneur Ngobila, ça, la Kanazara, n'a pas d'accord, Mingite. Mingi Penzate. Mais dans la question, il y a Zando. Dans ce moment, on dirait qu'on a tort, Mingite. Ou sinon, on a Penza, on a tort. Il y a plutôt un problème de communication. Peut-être que le peuple n'a pas bien compris ce que Ngobila voulait dire. Je crois. Je crois qu'il y a eu un problème de communication. Et qu'il fallait peut-être communiquer autrement. Et la présence du président, je crois qu'elle a dissipé quelque chose, hein, a dissipé certains malentendus. On va certainement repartir d'un côté à bien. Mais prenons des décisions Yamalunga. Ne prenons pas des décisions fallacieuses. Prenons des décisions qui vont aider à faire avancer les choses. Prenons des décisions qui vont nous aider à évoluer. Et non des décisions qui vont nous retarder, qui vont nous retarder, qui vont nous retarder. Et Zamala Mungite. Voilà un peu ce que moi je voulais dire dans le sujet ya Zandouana. Dossier à Kalev maintenant. Le dossier de Kalev semble être un dossier très très difficile. Parce que monsieur se plaint qu'il est encerclé par des policiers lourdement équipés. Je dois dire à monsieur Kalev, c'était la méthode à l'époque. Franck Diongo s'est réveillé un matin, sa maison était encerclée. Beaucoup de gens sont réveillés un matin, leur maison encerclée. Katumbi, n'en parlons même pas, le pauvre monsieur. Plusieurs fois encerclé. Monsieur, il y a un aîné de l'Équateur, j'oublie son nom, il était à l'UNC, le nom est parti, il était gouverneur aussi, Ewanga, je crois. Monsieur Ewanga, ben, il était réveillé comme ça, encerclé. C'était la méthode de l'époque. Aujourd'hui, si on vous fait ça, il ne faut pas beaucoup crier, quoi. Parce que c'était ça, vos habitudes. Bon, non, c'est le moment mingi à l'époque, Akal. Moutan la beauté, bon, encerclé, moutan la beauté, bon, encerclé. Et aujourd'hui, il peut m'encercler. Ce qui est vrai, qui m'a encerclé. Oui. Donc, je crois qu'il faut un moment donné. C'est pourquoi je dis dans la vie, évitons de faire les choses ni n'en co. Tout éviter. Même bateau, bateau, kambambo, kalelo. Bon, kambango, nabo, kebi. Bon, kambango, nabo, kebi. Pour bateau, bayaki, liboso, nabino. Bayaki, nabalolendo, belé. Mettez-la, le place, ma komi. Le lot, to komi, komona, kalev, pas se plaindre. Kalev. C'est que vous, kilongo, balouki, non, penza. Kalev, se plaindre. Mais il se plaint pas, le gars. Il est fait pour donner des ordres. Il est fait pour donner des ordres. Il n'est pas fait pour en recevoir. Mais là, il est en train non seulement de recevoir, mais il est au bord de quelque chose. Vous voyez comment le monde change, le monde bouge. Hein? Sous nos yeux, on est en train de le voir. Donc, le nouveau maître des jeux. Et soyez tranquilles. Tous les moins humbles, hein? Tout le monde va avoir un abisso. Parce que l'obégo balouka. J'apprécie toujours ce que la première dame dit. Est-ce qu'elle a toujours dit? Elle a toujours dit Christian. Nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Ça, c'est elle-même. Je peux même me le dire. La première dame a toujours dit, Christian Bossembe, aujourd'hui, on a le pouvoir. Hier, on ne l'avait pas. Demain, on ne l'aura pas. Comportons-nous de façon décente à ne pas heurter les autres. Parce que demain, quand on ne sera plus là, que tu ne sois pas honteux, que tu ne sois pas confus, au batamaka batamakate, pour vivre, on a mené, on a vu le colo, le vieux, on est athée, on a vu le batamaka, le batamaka, le batamaka. Mokili tambola malembe. À l'époque, on a commencé à dire Tambola malembe, mokili yabatoe, tambola malembe, mokili ndengongae, tambola ka malembe, pour éviter. Le locantique est tout badaya yo, nasimba bo, nasimba, oui c'est bien. Nasimba, oui c'est bien. Et belé basala bongo, basala ba chrétien bongo. Ba le on exil. Ba le on exil.
na Kinshasa, na Mbandaka, na Guado, na Yakoma, partout, Atanda côté, et le côté, et le Komalonga Yakate. A qui m'a bongo? Parce qu'il y a une histoire à la wapi. A tonga te le côté. A sa penin, a ben le goro basoute. Il était le sommet des sommets. Bongo de Zalaka. C'est pourquoi apprenons l'humilité. Mes frères, moi je suis journaliste, ça fait 12 ans. Je priais tout le matin pour que je ne me retrouve pas dans le bureau de Caleb. Je priais tout le matin. Quand je vais, je dis Seigneur, que je ne me retrouve pas dans le bureau de ces messieurs. C'était ça la prière des hommes dans ces pays. Mais aujourd'hui, regardez, celui-là qui faisait la loi est aujourd'hui en train de subir Babilo Kohana. En tant que bateau, on ne peut pas s'enorgueillir. Mais c'est un rappel que le cimetière nous rappelle que nous sommes mortels, que les maladies nous rappellent que nous sommes vulnérables, que la pauvreté nous rappelle qu'on n'est que des humains. Soyons humbles. Soyons humbles. LG humble. Homo humble. Ma journaliste, c'est la même chose. On a eu un succès à dégâts. Le roi Israël Mutombo. Lobby, c'était pas Israël. Lobby Mutombo, regardez les gens à la télé. Lobby Israël a écouté la Batouna TV. Aujourd'hui, c'est le tour d'Israël. Demain, ça sera le tour d'un petit garçon qui est, je ne sais pas moi, peut-être dans Massina, ou il est peut-être à Isuro, il est peut-être à Ngaba, il est peut-être à Gombe. Ça sera lui demain. Donc, allons-y doucement. Comme mon moukili n'a ma pécaté. Nga Christian Bossembe n'a danger te, osa danger te, danger za courant. Kende n'a malembe. Kende n'a malembe, tala moto, le roi moto, respecte moto nyoso, moto télévision n'a de la télé, ma pèse à mbote. Tu ne perds rien. Ceux qui marchent avec les chevaux, Moukolo ba chevaux ba zalakate, ba waka sonye rota mon ami sur bateau. Apprenez à vivre bien votre vie. Soyez humble, vivez la vie. Bino ba kondia sika, boza la humble. Mbote ro boumaote. Au contraire, on trouve la gloire dans la satisfaction des autres. On trouve la gloire dans le plaisir des autres. Et le respect, on va le chercher très fort. Le respect, on le cueille dans l'accomplissement des besoins des autres. Quand tu as accompli les choses des autres, tu as le respect. Moi, quand les gens me disent, tu as 130 000 abonnés, je leur réponds, et après, ça règle quel problème? Tout celui que moi, et pas d'engagé, Mouto tout avec qui yaya tikala yaya. Échange à te. Oh avec qui grand frère ou tikali grand frère. Mbongo te mouto échange à droit d'aînesse. Pouvoir échange à droit d'aînesse. Il y a des gens qui sont tellement pauvres. Ils n'ont que l'argent. Il y a des gens qui sont tellement faibles. Ils n'ont que le pouvoir. Si vous enlevez le pouvoir, vous enlevez l'argent. Ils ne sont plus eux. Ils ne parlent que quand ils ont l'argent. Ils ne parlent que quand ils ont le pouvoir. Mais on a mouto nengenini. C'est la humble. C'est la posée. Vis ta vie normale. Moi, je suis un qui m'est là. Zala humble, zala na bato humble. Je suis un peu plus humble. Zala na bato humble. Zala na bato bien. Je suis un peu bato. Liakana bato, je suis un peu plus humble. Je suis un peu plus bato. Je suis un bato. Vanda kana bato. Yoka kape bato. Tala kape bato. Mapeka mingi te. Mapeka mingi te bato. Je suis un peu plus humble. Je suis un peu plus humble. Je suis un peu il est pas encore polette. Zala posé, zala calme. Yo li moi batonde batam batbal toi l'obéla yo. Tala lelo. Trop mieux qu'on se plaindre. Ah bazingingai. Le mal ce n'est pas toujours quand c'est sur la chair de l'autre. Le fardeau est moins lourd quand c'est l'autre qui le porte. Vous savez quand pour aider le pauvre, il faut avoir passé par la pauvreté. Le pauvre aide facilement le pauvre parce qu'ils savent ce que c'est la pauvreté. Un orphelin comprend le langage d'un orphelin, il sait. Quand un orphelin pleure, il sait. Moi, je me rappelle, à l'Unikin, un ami a perdu sa mère. Ça me vient toujours à l'esprit. À l'Unikin, un ami, il était s'occupé de quelle province? Il a perdu sa mère. Namatanga, Batoué, Bitoutou, Batoazou, Libado, Pekisala, il est là. Il pleurait comme un gamin, quoi. Il pleurait. Les autres disaient, Tika Kaka, et qu'on les carangos, on balade, n'y a pas de. Et moi, je disais rien, rien du tout. Rien du tout. Lorsque nous sommes rentrés au home, à la chambre, avec deux de ses amis, trois de ses amis, quatre, soit cinq, vous voyez, devant la chambre, on l'obligeait à arrêter de pleurer. Maintenant, un ami me dit, mais il est bon, en tout cas, Christian, pour faire une mouline, aux consoler, était. Je l'ai regardé, qui d'entre vous a perdu un de ses parents? Heureusement, pour eux, personne n'avait perdu son père.
Il y a tous avec le papa et la maman. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est perdre un être cher. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 22 mois. Ou je crois 24 mois, quelque chose comme ça. Donc, je ne la connais pas. Je sais ce que c'est de perdre une mère. Elle, il est en train de vivre une expérience inexplicable. Ne peut comprendre ça que quelqu'un qui est passé par là. Donc, moi qui suis passé par là, je ne peux pas lui dire « arrête de pleurer ». Non. Au contraire, je lui ai dit « mon ami, pleure. Pleure jusqu'à ce que tu vas te dire « c'est bon, pleure ». Et tous ces gens, en tentant me regarder, me disent « ah, bon de la vie, il n'y a que ça ». Le seul langage qu'il comprend maintenant, c'est le pleur. La seule caresse dont il a besoin, c'est la caresse de ses larmes. Couler sur sa joue, laissez-le pleurer. Et quand il a pleuré, et il m'a dit merci après. Il dit, ça m'a fait du bien. J'ai comme l'impression que je vis dans un monde où les gens ne me comprennent pas. Et c'est ce qui fait que je pleure davantage. Parce qu'ils ne comprennent pas ma douleur, ils ne portent pas ma douleur. Quand quelqu'un a mal, laissez-le pleurer. C'est sa manière d'évacuer toute l'énergie négative qu'il y a en lui. Laissez-le parler. Offrez-lui par contre une épaule pour pleurer convenablement. Et moi, je lui ai dit, mon ami, tant que tu auras besoin de pleurer, viens, tu pleureras ici. Je suis là pour toi. Je sais ce que tu ressens. Et le gars a pleuré. Il a pleuré. Il s'est bien senti après. Et puis après, on a commencé maintenant à parler de ça. Je lui ai dit, ta mère, comment elle était? Elle dit, elle était bien. Je lui ai dit, toi, au moins, tu as des souvenirs d'elle. Moi, je n'ai aucune idée. Donc, si jamais le monde se reprenait aujourd'hui, elle passe, je ne saurais pas que c'était elle. Parce qu'elle avait bien été. Cette douleur-là, personne ne peut la comprendre. Personne ne peut la comprendre. Ceux qui ont perdu un membre de la famille, qu'est-ce que c'est? Quand tu vois les amis apprécier leur mère, ça veut dire que ça te brise. Même quand tu es âgé, ça te brise. C'est un truc qui est irremplaçable. Et moi, j'ai essayé de remplacer ça par l'amour de mon père et l'amour de ma soeur. C'est-à-dire j'adore mon père comme vous n'avez aucune idée, quoi. Même si on me dit qu'il était les deux mots, mais c'est lui que j'aime plus que tout. Parce qu'il est à la fois mon père, il est à la fois ma mère. Donc, dans la vie, il faut éviter jugement et bêlé, quoi. Dans la vie, éviter de juger les gens que vous ne connaissez pas. Si tu n'as jamais côtoyé quelqu'un, évite de les juger. Évitez, Pena. Évitez. Parce que tu mets un préjugé pour rien. Et dans la vie, tu as fait un mouton, je ne sais pas pourquoi je vous dis, mais je crois que ça touche quelqu'un ce matin ou ce soir, je ne sais pas moi, quand vous suivez l'émission. Nous sommes à... Je vais terminer par là. Je vais citer même le nom de la boîte. Il y a une boîte qu'on appelle Basilic. Basilic, c'est une boîte qui est en ville. Un monsieur avait bu. Il y a un temps, ça fait longtemps quand même, un monsieur avait tellement bu. Et sa manière de danser embêtait tout le monde. Il a tellement bu, il est devenu ivre. Il a commencé à casser des verres. Na Basilic, quoi. Alors, Babimissi Libanda, je crois que c'était il y a longtemps quand même, Babimissi Libanda. Quand Babimissi Libanda, il faisait tellement de bruit que tout le monde l'insultait. On l'a insulté, tout le monde le condamnait. Mais il y a une dame qui voulait juste l'écouter. Une dame, elle venait se dire, ouais, puis il y a tout n'est qu'à papa. Ozo mais la Matangébélé, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je vois que tu es marié, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas de problème? Le monsieur dit, ma femme vient de mourir maintenant. Au moment où je parle, ma femme vient de mourir. J'ai deux petits, elle vient de mettre au monde. Elle vient de mourir, je suis Camerounais. Je viens de Cameroun. Tu as dit, moi, c'est un koufi, je mets à l'hôpital. Tu as dit, papa, ça na ébité dans Rwanda, wapi, na souka wapi. Na yanaye na Congo, awa, na makasi. Et d'abord, il y a un combat, na Congo, awa, na bolingo, na yanaye, papa, bote, na yanaye. Tu combien, elle meurt, elle décède. Après que j'ai tout donné, tout vendu, je n'ai plus rien. $50, est-ce que je rentre à l'hôpital prendre le jumeau? Qu'est-ce que je fais exactement? Moi, ni proximité à l'hôpital de vie, à basilique, na maman, na hôpital, maman, c'est vraiment pembeni. Est-ce que vous imaginez quelqu'un comme ça? Tout de suite, tous les jugements de gens changent. Au lieu d'insulter, les gens commençaient maintenant à compatir. C'est-à-dire, le gars ne sait pas par où commencer, quoi. C'est-à-dire, vous jugez les gens parfois parce que vous ne les avez pas encore entendus. Lorsque vous les entendrez, vous n'allez plus les juger. Parfois, ils traversent des situations les plus difficiles que possible. Et l'immaturité, c'est de croire que, comme vous pouvez résoudre ce problème, tout le monde peut le résoudre. C'est ça l'immaturité. Parce que la maturité, c'est de reconnaître les faiblesses de chacun d'entre nous et ses forces. De dire, moi, je peux dépasser ça, mais peut-être pas lui. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire, si ces gens-là s'étaient donné la peine d'approcher le monsieur et écouter ne serait-ce que ce qu'il a vécu, on n'allait pas le jeter par terre, on allait peut-être l'aider. Et cette dame-là, il paraîtrait, après l'histoire, ce qu'on nous dit, cette dame-là a accepté de prendre les deux enfants, de les aider, d'organiser le deuil, d'aider le Camerounais à rencontrer leur ambassadeur ici, ainsi de suite,
comment l'histoire s'est finie, je ne sais plus trop. Mais au moins, vous voyez comment le mauvais jugement peut vous aider, peut vous conduire Namabe. Et tout le monde a commencé à pleurer. L'ambiance est finie ce jour-là. Tous ceux qui étaient sortis dehors, oh bah yonkaka lisoloana, nagouyo me les a dit souté. Parce que je crois que tous les mariés se sont mis dans la même situation. Imaginons qu'ils aient la bisou, ton souka wa pilelo. Et ça vous pousse à aimer beaucoup plus vos enfants et vos femmes à la maison. Vous dites, mais ah, imaginez. Voilà pourquoi moi, depuis un certain temps, je ne juge pas les gens. Il a volé, il a volé. Il a tué, il a tué. Je ne juge pas l'homme, les faits, l'acte, je juge. Le vol est mauvais, oui. Mais quand on prend le temps de l'écouter, qu'est-ce qui peut te pousser à faire ça? Parfois, l'histoire peut être beaucoup plus cruelle que l'action qu'il a posée. Et ça vous dit, ça vous donne des choses quand même. Voilà un peu, mesdames et messieurs, humilité, 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 humilité. Merci beaucoup à la vie de Ahmed Bakayoko. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la musique congolaise, pour la culture africaine. Ahmed Bakayoko, Yako, Yako. Merci également à Bukulaka, Henri Thomas Lokondo, Okendaka, Bolochi Mungu, comme on dit chez nous, va en paix. Merci pour ta lutte, merci pour ton combat, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bio Africa Union et d'autres. Tout à l'heure, on a pas six mois. Si nous voyons pas, si nous voyons rien. Mais quand on a un autre cas, un autre cas, donc il y a Moka, il y a Fresh, il y a Bio. Bio na Bio. Bio na Bio. Si on a même pas le coup de mon canne, il s'agit. Parobi, nous sommes moins rien. Et un coup va pas du bas. Parobi, un tente, il s'agit. Ça combat, ça y est, un photo et un visage. Parobi, il n'y a pas de photo, il y a mon combo, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh,